Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite patrouille avec la BAC. Donc on va patrouiller de nuit là, donc là on est au petit matin, là. Le jour va pas tarder à se lever. Mais c'est là qu'il y a le plus d'action les amis. Donc on va patrouiller avec cette petite tenue là, qui a été faite par Bold042 si je me trompe pas. Donc c'est téléchargeable dans la description comme d'habitude. Et on va patrouiller avec la C4 banalisée. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien, il fait nuit. Mais elle est pas mal. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus hein, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc pour commencer, on va faire un petit truc que j'ai jamais fait encore. C'est qu'on va mettre une voiture à pas. Donc parce que là, il y a pas mal de vols de véhicules dans ce quartier là. Donc on va mettre une petite voiture à pas qui est équipée d'un GPS. Donc dès qu'elle sera volée, et ben on sera directement averti. Donc on va choisir une petite voiture sympathique. Ok, elle est là. Il y a un chauffeur qui nous l'a emmené. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est un chauffeur de voiture, mais il sait pas trop conduire. Oula. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, bah, il nous l'amène sa voiture ou pas, là? Il repart. Bah, voilà. Ok, il fait demi-tour, il arrive. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, ça commence bien, les amis. Ah, bah, voilà, enfin! Ok, merci. Merci, monsieur. Donc, les amis, on va aller garer ça par ici, là, dans le quartier. Vous voulez monter, vous? Allez, ouais. Fais-toi un kiff. C'est plutôt une belle voiture, ça. Oula, elle fait un beau bruit, par contre. Hein. Je sais pas si vous entendez bien. Elle a la patate. Hein. Là, il y en a sous le capot, là-dedans. Ok, on va la garer ici. Hop là. On va la laisser là. Et on va attendre que ça se passe. Hein. Donc dès que quelqu'un voudra la voler, ça va nous avertir directement et on n'aura plus qu'à rechercher l'individu. Ok, donc on va attendre que ça se passe hein, et on va aller se rendre à une intervention là qui est tombée. Donc apparemment il y a une bagarre, donc à cette heure là, hein, c'est souvent le cas. Les bagarres de bar, tout ça, sortie de boîte de nuit, ça se bastonne. Donc le gyro, oh là oui, le gyro il flash un peu. Hein. Ok, ok. Eh, messieurs, là. Oh, 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 messieurs, arrêtez. C'est la BAC, là. C'est la BAC. Mettez-vous au sol. Au sol. Au sol. Au sol, j'ai dit. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Tirez pas, tirez pas. Oh, mince, ils ont... Retourne dans le véhicule, là. Retournez dans le véhicule. Retournez dans le véhicule. Mettez-vous au sol, vous. Sinon, vous allez vous faire plomber, là. T'appelles qui, toi? T'appelles du renfort ou quoi? Mets-toi au sol, là. Et là c'est pas bon là, il a appelé, il a passé un coup de fil. Ça se trouve il y a tout son gang qui va débarquer là. Ok, donc ça on va arrêter ça. Ils vont finir la nuit au commissariat. On va pas se prendre la tête. Hop là. Allez messieurs. Les mains derrière le dos, voilà. Allez hop, on vous emmène. On va appeler un multitransport. Ok, donc nous, on va repartir. Parce que là, aujourd'hui et ce soir, là, cette nuit, il y a de l'action. On n'a pas de temps à perdre. Ok, ça on prend les gars. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais on prend. C'est pas loin d'ici. Qu'est-ce que c'est la voiture là? Oula! Oula, oula, oula! Oula, j'ai tiré d'un... Ok, on descend, on descend, on descend, on descend. Ah, et c'est la BAC, là, c'est la BAC. Mettez-vous au sol, vous. Lui, il est out. Je suis obligé de l'abattre, les gars, ils me tirent dessus, là. Ok, je vais appeler les pompiers. Hop, je vais faire ça. Je vais bloquer la circulation. Ah, c'était chaud, hein. Là, je sais pas ce qu'ils voulaient, ces deux-là.
Mais en tout cas, il voulait en découdre, là, avec la police. Attendez, les gars, attendez. Courez un peu. Hop là, donc normalement j'ai coupé la circulation. Personne devrait rentrer dans la scène de crime. Ok, on va appeler la police scientifique pour qu'ils statuent un peu tout ça. Attendez, je vais ramasser son arme par contre. Hein. Parce que là... Ok, dès qu'on a le dos tourné, ça avance. Ça... Alors attendez, je vais reprendre un petit peu de Red Bull là dans le coffre parce que j'ai perdu un peu de vie. Hop, je vais prendre ça et un gilet pare-balles. Voilà. C'est bon les gars, ils sont morts, d'accord. Bon bah ok. Donc, de toute façon, j'ai appelé la police scientifique, elle est là, elle arrive. Elle va se charger du reste. Bon bah notre voiture s'est pas fait dérober encore là. Ça devrait pas tarder à mon avis. On va faire une intervention encore en attendant. On va voir ce qu'on a. Ok les gars, donc là on part sur un kidnapping. Donc là il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Donc là malheureusement ça arrive très souvent la nuit là. Sortie de boîte de nuit. Et jeunes femmes là qui se font kidnapper. Ok, je le vois, j'ai vu la camionnette. Ok, donc là, bon, attendez, on va pas mettre le deux-ton. On va essayer de la jouer discret quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va nous faire tourner en bourrique sous dans le parking. Il est là. Ok. On t'a vu, mec. Ah non, c'est un gars qui s'est fait... Oh là. Ok, on descend. On descend direct, là. Parce que là, ça rigole pas. Tentative de kidnapping. Allez, mais... Descendez, là, c'est la bac. Mettez-vous au sol. Au sol. Au sol, j'ai dit. Dépêche-toi, là. Allez, dépêche-toi. Mets-toi au sol. Voilà. Ok, bouge pas. Hein. Allez, je vais vous menotter, mets les mains derrière le dos. Voilà. On va se lever, hop là. Monsieur, je vous place en état d'arrestation hein, pour tentative de kidnapping. Tentative pour tentative d'enlèvement. Ok, donc on va aller voir la victime. Ah, c'est la victime. Ah, il l'a attaché en plus. Il l'a attaché. Ouh. Ok. Toi, viens là, toi. Viens là. Viens là. Monsieur, venez là. Voilà, merci. De toute façon, mes collègues vous ont embarqué, là. Mets-toi à genoux. Voilà. Donc, monsieur, est-ce que ça va? Est-ce que... Mince. Ça, je ne veux pas faire ça. Il est où, lui? Lui, il faut le détacher, là, parce qu'il l'a attaché, l'autre, là. Ah, voilà. Ok, monsieur. Vous pouvez y aller. Est-ce que vous désirez l'intervention des pompiers? Non? Ok. Bon, bah, vous pouvez partir si vous voulez. Donc, vous viendrez demain matin porter plainte. Hein. Oula, il a disparu. Bah, il a disparu. Carjacking. Ok, ok, ok. Ça, on prend. Ok, allez, donc, là ça s'enchaîne, les gars. Poussez-vous, poussez-vous. On a une autre intervention. Carjacking. Donc un véhicule qui vient de se faire voler ou qui est en train de se faire voler, on sait pas. C'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher. Oula, 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 oula. Ok, on n'a rien vu. On y va. Alors attendez, je vais arriver discret parce que ça se trouve, il est en train de se faire voler. Oh, regardez, il est là, il est... Ah d'accord. Ah d'accord, il a voulu voler la voiture, je sais pas si vous avez vu. Il s'est accroché à la poignée. Mais elle devait être fermée à clé. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, mon gars. On t'a vu, on t'a vu. Allez, arrête-toi, là. C'est la bac, là. Arrête-toi. Arrête-toi, sinon je te tase. Hein. Allez. Allez, hop. T'as pas voulu t'arrêter. Voilà. Allez, viens là, viens là, viens là. Eh, 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 eh. Viens là. Mais il est... Il veut un coup de taser ou quoi? Il aime bien ça, le taser, lui. Oh, j'ai raté. Mince. Je l'ai raté, les gars. Ah, oh mince. Vous pouvez pas faire attention, monsieur. Allez-y, les gars. Courez, courez, courez. Oh, oh, mais je tombe. Ça m'énerve, ça. J'arrête pas de tomber.
Il est où lui? Mais il est par terre aussi. Allez, arrête-toi, arrête-toi, mets-toi au sol, au sol, au sol. Allez, c'est fini là, tu te mets au sol, à plat ventre, les mains en évidence, voilà, parfait. Allez hop, je vous menotte. Alors monsieur, alors, attendez, venez là. Allez hop, ça part aussi. Ça part. Vous allez être emmené par nos collègues là qui arrivent. Et vous allez vous expliquer de cette situation là. Allez. On repart les gars. Par contre, notre voiture à pas là, elle marche pas beaucoup aujourd'hui. Elle marche pas beaucoup. Elle s'est pas fait voler encore. Ça c'est bizarre. Oh, mais ça m'énerve. Tombe tout le temps là. Elle est où notre voiture? Elle est où notre voiture? Ah, elle est là. Elle est là-bas. Non? Ah bon, on s'est fait voler la voiture, les gars. Je l'ai garée où, la caisse, là, les gars? Vous savez, vous? Ah, Maurice et Ying, là. Elle est où, la voiture? Ah, elle est là-bas. Ah oui, bien vu, Maurice. Oh, ça m'énerve. Elle est là-bas, la voiture. Allez, on va prendre une dernière intervention. Et puis bah pour la voiture à pas, les gars, ça sera pour la prochaine fois. Parce que là, il s'est rien passé du tout. Ok, donc ça, on va prendre ça. Donc il y a des turbulences au métro. Donc là, le métro vient juste d'ouvrir. Donc là, il y a toutes les personnes alcoolisées et tout qui veulent le prendre. Et ça met le bazar. Donc on va se rendre sur les lieux tout de suite. Pour rétablir la situation, là. Pour calmer un petit peu tout ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est le bus. Qu'est-ce que c'est que ce chantier là? Bonjour messieurs dames, c'est la BAC là, c'est la police. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Eh, descends du véhicule toi, descends là, dépêche-toi. Descends du véhicule là. Ok? Alors, non mais bah, attends, tu remontes pas. Tu montes pas, tu remontes pas là. Mets-toi au sol là, dépêche-toi. Mets-toi au sol, voilà. Et on va régler la situation là du bus là. Alors, bonjour messieurs dames, là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la situation là? Qu'est-ce qui se passe là? Il aurait dit qu'il faisait pas attention, qu'il a pas fait attention, un truc comme ça. Pourquoi vous avez perturbé la ligne de bus là alors? Il dit parce que c'est difficile de contrôler son humeur. Ok. Alors monsieur, il faudra faire un travail un petit peu sur vous-même là parce que là, vous avez perturbé toute une ligne de bus là. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Ok, c'est des menaces, monsieur, d'accord. Ok, il m'a menacé. Ok. Monsieur, allez hop, venez là, là. On va voir si vous menacez de mort comme ça, là. Donc les gars, il m'a menacé de mort, il m'a dit la prochaine fois, je vais te tuer. Alors déjà. Ok. Donc toi. Je vais t'arrêter, voilà, mets les mains derrière le dos. Et je vais t'emmener au commissariat, on va s'expliquer tous les deux là. Allez hop. Viens là, tu vas monter dans ma voiture d'ailleurs. Je vais t'emmener au commissariat. Allez, viens là, monte. Elle veut pas monter. Bon, c'est pas grave. Bon, bah les amis, ce qu'on fait, c'est que moi je vais aller questionner ce monsieur là, on va régler nos comptes. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on se dit à bientôt. Allez, salut!